À Saint-Saulve, dans le Nord, Vallourec fabrique des tubes en acier, une industrie particulièrement énergivore. 10% des coûts de transformation de la tuberie sont des coûts énergétiques. Il était nécessaire de commencer à s'intéresser à comment réduire notre consommation énergétique. Le projet Greenhouse a pour objectif de réduire de 20% les consommations d'énergie, gaz, électricité. Maîtriser la consommation énergétique représente donc un enjeu majeur de compétitivité. Le groupe Vallourec s'est d'ailleurs fixé pour objectif de réduire de 20% sa consommation totale de gaz et d'électricité d'ici à 2020. Grâce au partenariat avec EDF, le site de Saint-Saulve a pu réaliser des améliorations techniques. On a d'abord fait un audit du four à l'aide des experts d'EDF qui nous ont permis de détecter les pistes de progrès possibles. Et suite à cette expertise, nous avons monté un dossier et réalisé des travaux qui nous ont permis de réaliser une économie de 10% et de plusieurs centaines de kilos d'euros par an. Lui permettant d'économiser 10% de la consommation d'énergie du four de chauffage de la tuberie. Les coûts d'énergie étaient considérés comme des coûts subis. Désormais, ils sont non seulement maîtrisés, mais ce sont un vrai levier d'amélioration de notre compétitivité, entre autres à travers le partenariat avec EDF. C'est l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros en moins sur la facture annuelle et 1780 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère. Ici, l'action s'inscrit dans la durée. Au sein d'un contrat de performance énergétique, EDF Recherche et Développement ouvre notamment ses laboratoires d'essai pour former les techniciens de Vallourec à l'efficacité énergétique. Ce partenariat est un succès et surtout qu'on travaille en partenariat. Nous ne sommes pas clients-fournisseurs, nous sommes partenaires et nous travaillons tous ensemble. Pour une efficacité énergétique et une compétitivité au long cours, nos solutions pour le climat.